En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée. Sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. Dîner pas à travailler chaque jour pipis. Pour le cas joindre plus bon service, tout partout, dans tout pays. Poté coller, payer bon droit de l'eau à l'air et puis poser. C'était un message dîner pas à toute partenaire Lio. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui nous met courant. Merci pour être écouté nous sous 106.1 FM sous alterradio.org avec notre plateforme internet. Tichèze Bar, c'est yon rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche et mercredi pour analyser actualité. Assassinat et président Jovenel Moïse, la Kaili, dans Pèlerin 5, bien bonheur 7 juillet, c'est un crime qui fait moun poser en pile question, une bonne question qui était sans réponse, bien entendu, malgré diligence, la police montrée dans première phase enquête là pendant en États-Unis, en Colombie, structure sécurité, mobilisé tout pour poter coller. Tout autant enquête là avancée, ça fait ça assembler pi plus avec une chaudière spaghetti. Nous-mêmes, nous chita sous contexte là pour analyser diverses dimensions, événements terribles ça, et puis garder perspective possible. Nous invitons docteur en sociologie Robertson Edouard, lycée professeur dans l'Université Laval, Québec, Canada. Il écrit plusieurs livres sous affaire violence en Haïti, parmi eux, violence et ordre social en Haïti. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. Professeur Edouard, bienvenue sous antenne Alter Radio. Bienvenue sous Tichèze Bar. Merci pour l'invitation. Son plaisir et son honneur pour moi. Et la circonstance qui est très dure pour Haïti, je veux dire, même si ou loin, ou vibrer certainement avec Haïti et ou vivre lié avec nous. Et moi, ouais, réflexion qu'on fait sous ça, vivre en Haïti, je veux dire, et pour, c'est pas juste un président que, yo tué, yo assassiné, c'est symbole l'État même qui tombé. Oui, bon, en fait, l'État a tombé depuis longtemps. Gampi, les phoques a fait pour Kimbeli, dans ce Rome. Gampi, l'effort qu'il a fait pour éviter que ça paraisse trop. Mais assassinat président, quand on écrit l'antitexte moyen, bien sûr, au-delà de dimension solennelle, les padoués, pieds bois, qui cachent Foria. Et Foria, ce qui s'allie, c'est que grand politique, la mort, qui a pas appliqué dans le pays d'Haïti depuis longtemps, et président, c'est juste dernière victime, et je dis à l'anma même gadigé, c'est dernière victime, puisque politique l'amour continue à faire victime dans le pays. Donc, c'est une dernière victime politique l'amour, ça. Et alors, qui sont même relé politique l'amour? Ben, politique l'amour, c'est, ensemble de, c'est orientation politique publique, yo. D'abord, pour pas protéger personne. Donc, longtemps, il y a des gens qui ont gagné illusion qui ont été protégés. Je dis à l'amour, le président a montré que quel que soit le côté, en réalité, ou pas à l'abri. Politique, là, moi, sont politiques qui pas protégé la vie personne, qui banalisé la vie monde, et qui banalisé
jusqu'à cadavre moun. Puisque même leur fin mouri, cadavre ka continue profané. Politique l'an moi, son politique côté, depuis nan 20 maman, un petit bébé pas gagné absolument aucune forme de protection jusqu'à ce qu'on tourne t'il épais ou bon tourne t'il mamie ou toujours exposé à même qualité violence qui gagne en société à quitte ces violences matérielles quitte ces violences psychologiques et dernière dimension politique là moi c'est politique qui est appliquée dans tout ça au monde garelé insécurité on a vécu dans le pays d'Haïti pour majorité population son insécurité alimentaire côté gagne des monde qui mourir grand roue. Pour majorité de population, son insécurité routière, côté route, yo, pas nécessairement exempt de risque, danger, menace. Politique, là, moi, son politique, côté toute dimension, la vie, moun, en Haïti, exposé à risque, danger, menace pour les mouns. Et puisqu'on est long politique, cela veut dire que les organiser comme tel. Il y a une mise en place qui fait. Donc, ce n'est pas par hasard que nous trouvons nous là. En politique, pas nécessairement explicite. Donc, l'État a un ensemble de responsabilités. J'en agis par rapport à la responsabilité, il y a le politique. Ça veut dire, si il y a des actions que l'État a prises pour aller dans une direction, c'est en politique. Qu'on sait tout si l'État a choisi, pas jamais prendre action pour corriger le tout. Son politique. Et ça fait ou qu'on parle de action publique, de politique publique, là, dans la dimension positive, li, elle agit, avec la dimension négative, li, elle pas agit. À travers tout ça, bien que nous retournions sous aspect ça encore, puisque il faudra que nous parlions de violence qui est au cœur de tout ça qui vit en Haïti, et même et si ma penchée directement sous ligne, nous avons dit. Et comme nous avons parlé de assassinat Jovenel Moïse là, avec photo circulée, avec cliché scanner qui circulait, nous avons un niveau de violence qui c'est un niveau de violence inouï et n'a rien pour nous reparler de ça encore parce que c'est pas juste un assassinat là n'a gardé lui. Mais maintenant pour rester la question politique là, à certains moments, l'on parlait de symbole qui effondrait. En fait, ou même ou ramener ou souligner pour nous toute une faillite de l'État, c'est-à-dire les trois pouvoirs d'État, l'économie et toute cadre social la net qui crasait. Comment que nous arrivons là? Bon, c'est pour moi qui commence aujourd'hui à son bagage, j'aime te dire, qui gagne longtemps depuis la fèchimel. Depuis les nous fin prendre l'indépendance, un ensemble de blocages qui fait que l'État nous a pratiquement développé presque toujours un conflit avec nation, hein, donc reste société. Hein. Et donc du coup, une situation côté l'État, tant pour l'État renforcé, tant pour renforcer dans le sens capacité pour répondre à demande, aspiration population. Que le représenter, hein, les plus rentrer dans la logique de répression. Pour qui ça? Parce que l'État s'a capturé par un petit groupe monde qui voulait que l'État s'a servi, ou plutôt qu'elle servit majorité de la population, vous m'avez dit toute population. Ça, c'est le premier côté à la commencer. Et donc, on a un conflit qui n'est pas jamais fini et que chaque fois, le conflit en première dimension, il y a un morceau dans l'État qui allait. Bah, ça a été mené dans une catastrophe qui tape l'Alban occupation que nous avons gagné en 1915. C'est même catastrophe-là qui fait que nous avons des présidents avant, qui ont gagné même soit avec le président Jovenel Moïse qui mourit et qui était, je me suis pas rappelé, un président qui était totalement contesté. Côté toute force vive, société a été dit que il n'est pas la même. Deuxième balle, pour montrer au mépris qui gagne pour la majorité de la population, au bon président qui passait 4 ans. Côté toute institution, toute, enfin, ça qui est toute force vive nation, levé pour le dire, il n'y a pas de président à mener le pays, hein, et à un moment donné, il dit, il voulait président ça aller, ils n'ont pas arrivé à vous aller. Et puis, comme ça, 28 nègres, évidemment avec complicité la caille, qui arrivaient avec une facilité qu'on ne peut pas comprendre,
mette résidence à la terre. Alors, comment un pays, comment toute une population, comment des millions de monde prennent la rue pour le dire pas mon président, pas arriver mettre la terre, et puis pour 28 monde comme ça qui arrive avec une complicité en dans votre bête là, arriver mettre la terre comme ça. Donc, tout ça montre mépris pour maman ou bien majorité population. Ça montre tout qui ça la force qu'a fait, il a parlé de rapport de force, c'est dans ça que nous y est. Oui, mais rapport de force, là, tant qu'on me dit, de pour y venir à un niveau comme si vous le passez dans une dimension matérielle, les sorties, ça c'est dans l'expression pouvoir, oui, les sorties de autorité, côté contrainte, là, doit sortir de l'intérieur, tant qu'on leur respecte la loi comme citoyen, c'est parce qu'on a un commandement en don qui doit pour respecter la loi. Parce que commandement non, l'endou pour son bon citoyen, il faut respecter la loi. Mais dès pour nos situations, côté faut qu'on bon chef d'aide pour faut respecter la loi. Autorité a commencé à perdre du poids. Et là, ça va rentrer dans le pouvoir qui va l'obliger répressif. Donc, rapport de force, à mon sens, soit garder seulement en termes matériels, soit garder seulement en termes militaires, alors tout à fait raison. Ce type de rapport de force, ça qui rivait guérison. Deux présidents, et m'a souligné, pas de régime, non. Oui. Deux présidents. Mais qu'on y a une posé une question. Est-ce que c'est ça le rapport de force qui gagne, puisque d'un point de vue politique, président est perdu principale base sociale. Ça veut dire, majorité monde dans la société a été viré au Bali, parce que tu dis, j'en la mène bat pays, li pas bon. Bien que, en fait, et jusqu'à présent, il y a monde qui a dit ça toujours, il dit que monsieur était en face. On tire oligarchie et c'est eux-mêmes qui pas voulaient projet que le tap vin avec eux, question de électricité, question de l'eau, question de route, que le dédit, l'a fait, etc. Et pour une série de monde qui a analysé, bon, certainement proche ou pas, il y a dit que c'est ça qui est le problème, non? Comme quoi, il osait défier et un establishment et voilà côté ça menait. Bon, son réflexion qui est limitée, ce n'est pas parce que y a un pouvoir à goûter contre l'oligarchie qui fait les poupées. Et il y a un pile réflexion qui fait déjà dans notamment dans le domaine économie pays pour montrer que tu as gagné une bataille pour gagner un grand remplacement. Ça veut dire que les gens qui sont habitués à soucer, qui sont habitués à peser soucer, ils ont envie de remplacer par un autre groupe pour venir peser soucer tout. Mais le système pesé social n'a pas de gens remettre en question. Or, précisément, c'est le système pesé social qui représentait le plus gros danger pour la population. C'est le système pesé social qui empêchait la population de pas avoir accès à services de base. Parce que, en entendant nous, bon, résoudre problème route, résoudre problème électricité, résoudre problème énergétique payant, patapral fait en sorte que Timounio ait un meilleur service scolaire. Patapral fait que Mounio joigne de meilleurs soins de santé. Pas après le fait que mon suspend mourir grand goût. Pas après le fait que banalisation la vie moun te continue d'ailleurs. Puis gros exemple que nous gagnons, c'est que c'est sous même régime ça. Ouais, moun a mouri bon ensemble de massacres qu'a fait par-ci par-là. Et pendant massacre qu'a fait, ou pas gagné, même un minimum de compassion pour victimes, pas gagné un minimum de compassion dans le traitement que bail famille victimes ça yo. Et voir pour ta gagner au minimum de réparation. Nous, nos situations, côté, et c'est bah, qui est plus grave, j'ai ce bon rapport particulier à cadavre, j'ai ce bon rapport particulier à rite funéraire, mais nous trouvons dans une situation, côté des mouna mouri, bête à manger ou dans la rue, famille ou pas qu'à le prendre quoi. C'est dans une situation, ça, que nous y est. Donc, on l'état, ou bon pouvoir qui est en place, et qui n'a pas aucune réponse à des problèmes comme ça. On l'état qui est en place, côté moun qui est victime, yo, c'est boucané ou nan fou pour pas jouer une tration et qui pas fait rien pour résoudre problème ça. Nous pas qu'à dire, son l'état qui a défendu la population. Pendant 10 ans, petit parenthèse, qui rapport possible entre phénomène ça qui passe dans le quartier populaire ou moun yo, enfin, yo souffri de yo et qualité de l'amour ça que Jovenel Moïse prend et puis ça a fait du cadavre là tout. Et après, avec ça, on a regardé sur les réseaux sociaux.
Mais c'est exactement ça que moi qui fait me parler d'un politique la mort. L'aime parler d'un politique la mort, c'est pas expression volonté chef d'État. L'aime parler de politique la mort, vous voulez parler de une organisation sociale qui gagne un ensemble de groupes d'intérêts qui dirigeait action publique là non sens. Et politique la mort ça qui banalisait corps, qui banalisait la vie, politique la mort ça qui profanait cadavre. C'est même politique ça qui applique contre lui-même. Le la mouri, on va pas chercher un autre modèle pour t'appliquer pour lui. Ah, modèle. Passé, non, mais pas précisément. Mm-hmm. C'est un modèle qui est en développement. C'est un modèle que il n'y a pas amélioré dans le sens négatif terme dans un pays. C'est un modèle. C'est un problème d'abord, un laboratoire qui chaque fois a besoin de gens pour augmenter dans la couloir. Puisque le résultat qui a pris tenant, c'est la terreur. Que tout le monde paie. Pour personne pas lever ti droit yo contre système pesé sous ça qui mène la mort contre système pesé sous ça qui veut que toute richesse ça ajoigne yo ti groupe moun et puis reste yo ferme bouche ou valer c'est ça la réalité aujourd'hui. Mais ça a décrit là c'est un bail extrêmement grave, c'est ça n'ta ka rele une déshumanisation accélérée. Ou bien gen moun nan fè surtout moun ki pase la science humaine rele sa une démonisation qui a fait la société. Oui, bon, c'est tentative là, mais faut nous prudent ben n'a dit ça parce que c'est pas tout moun ki rentre dans logique ça. Pour le moment, nous ka dit c'est courant dominant dans sens que yo gagne des bras matériels, par bras matériels yo, c'est d'abord tout ça moun ka mette comme bavure. La police fait, comme violence la police fait, notamment le yo a opéré dans une série de milieux difficiles. Mais principal bras bagaïsa, c'est le nouveau phénomène que nous avons à la caille, nous, que aurait les gangs. Phénomène ça, justement, les pousser plus loin, limite qui pas de gens qu'on pousser, dans la façon où traitons adversaire, dans la façon où traitons monde qu'on considère tant qu'un ennemi. Et là, c'est élimination de tout ça, moun ça a été gagné de moun la kaili. Le traitement que yon baye kol, la façon yon touyel, et la façon yon dispose de kol. On l'autre bag encore, c'est que vin gen des croyances qui mélangent à baye la, qui vin gen encore plus compliqué. Des croyances qui fait quoi que gen des bagan au kafa avec cadavre la. Donc, puisque croyances là, sont bagay qui motive comportement moun, en prévention, en pile dans groupe sa yo, disposer de cadavres non façon pour yo ka protéger tête yo de toute revanche, de toute vendetta que famille victime nan ta ka essayer faire à partir de cadavres là. Et c'est ça que fait solution, c'est bon solution qui simple. Et là on parle de phénomène comme si on prend un organe ou bien forme moun nan kembe ke moun nan ou bien le prend crâne nan et cetera donc exactement. Bon paquet et m'pa quoi li nécessaire nous-mêmes et c'est là m'pa c'est bon responsabilité pour tout monde qui comprenne qui genre diffusion information ka vinn tourner en école du crime gade que nous dit l'essentiel, même pas arriver dans des détails qui prennent l'impression que c'est nous-mêmes qui avons participé dans ça que moi j'aimerais relé aux pornographies de la violence. Côté quoi, exposer violence là dans toutes les deux lits, pour moi, elle pas nécessaire. Il suffit seulement que publiquement nous évoquer bagaille ça, conséquences li, enjeu qui accompagne li, et puis tout de suite, pour nous chercher qui solution possible et imaginable au monde qui a joué contre ça. Donc, tout ça entrer dans le contexte là que n'a essayé comprendre là. Donc en Haïti je dis à un spectacle de la violence. Ah oui et ou du moins peut-on me dit violence là l'équité niveau symbolique l'équité qu'on a opéré hein? Niveau symbolique là c'est intériorisation mouvement qu'on fait de statut d'inférieur côté on fit presque trouver le normal que patron abusé de lui pour balayer une promotion. Côté où moun accepte humiliation patron parce qu'il est chef. Côté où moun accepte un ensemble de traitements qui pas normal pour qu'arriver joindre atteindre objectif. Intériorisation ça, c'est ça relève violence symbolique là. Côté moun ne fait presque normaliser pratique là. Côté moun yo trouver c'est normal, c'est pour sauver un petit moun, nous prendre comme reste avec et pour faire tourner marche pied
côté que ou abusé de quoi de toute vie sous prétexte que ou retiré dans la misère et puis ou payer en scolarité pour tout monde ça. Donc intériorisation tout bas ça et normalisation c'était ça qui était principale forme de violence qui était qu'on a opéré. Côté on trouve on pas trop trouvé normal pour payer au monde au comme qu'on connaît très bien que monde n'a pas aucun moyen pour vivre et survivre avec comme groupe là. Tout ça participé rapport patron avec travail. Tout ça participé de violence symbolique là. Quand y a nous venons côté violence symbolique ça est encore il pas là assez vite. Machine à tuer hein. Faut que l'accélérer. Qu'on y a passé de violence symbolique ça à un plein régime de violence matérielle et de violence physique. Côté un groupe nèg qui ont fait criminel et que ils estimaient que fils à pas camarade yo, ils disposaient de col, yo kidnapper, yo violer. Côté un monde qui estimait que comme qu'on gagne ou bien machine qu'on gagne ou bien travail qu'on gagne c'est lui qui t'a donné en place ni lui estimait que façon pour changer ça c'est kidnapper faut vendre tout son gagne faire famou décapitaliser tout son gagne et puis pour lui-même pour qu'a faire un coutaille dans comme kidnapping nan. Violence dans passé qu'on y a en dimension supérieure côté machine à tuer tant qu'on dit là pas accéléré dimension plus grave là c'est le yo passé tout simplement yo passé tout simplement à l'infinitif côté yo tuer et yo disposer de corps dans tout contexte ça que n'a essayé d'écrire qui très complexe gon mot pas jamais venir c'est police quand sa police l'a fait comme institution qu'il a, qui a occupé de questions sécurité et qui a occupé de protéger, j'en ai dit, c'est au moins sa mission, ça a passé avec elle. Le problème de la police, c'est un problème, c'est pas un problème qui est simple. D'abord, on dit que la police dans le pays a, les faits, les a grandi dans un contexte très particulier et très délicat. Quand elle est sous double égide ou bien sous double contrôle. D'abord, sous contrôle politique, de plus en plus sous contrôle politique, parce que il y a un même mécanique fonctionnement la police, notamment dans l'affaire nomination directeur de la police, là, dans l'affaire promotion pour moun gen la police, là, implication des acteurs politiques dans la décision, ça, yo, et non pas à partir de règlement interne institution et de logique de fonctionnement propre institution. Ça qui déjà un premier problème dans l'organisation institution. Et deuxième contrôle, c'est le contrôle international. Comment vous prenez pour une force de police un pays et pour tenir des unités spécialisées dans la police sous contrôle des ambassades? Et tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. Donc, comment vous avez un principe de modernité de l'institution policière? Il y aurait le principe de l'insularisation. Ça veut dire que la police a fait un travail professionnel en dehors de l'influence de quelconque acteur extérieur. Les acteurs politiques, les acteurs diplomatiques. Mais il y a une coopération entre police à travers le monde, et c'est peut-être ça d'ailleurs, il y a un organisme qui existait, qui est Interpol. Coopération, pas veut dire insularisation. Coopération, pas veut dire sous tutelle. Quel que soit, seulement pour un exemple, un problème présenté, notamment de trafic d'armes ou bien de trafic de stupes, qui impliquait collaboration force de police canadienne et force de police américaine. Mon pape Jean Mouet, un représentant de la police américaine, rentre vient passer l'ordre à force de police canadienne. Ça n'est pas possible. Ou vice versa. Bah quoi que c'est le cas en Haïti non plus. Ben, c'est connu de tous. Son vérité de polichinelle que un yo fait formation pour nous, deux yo ba nous équipement, trois gagner des unités qui sous contrôle des ambassades étrangères. C'est connu de tous, c'est pas ma bagou qui une révélation que m'a fait là. Et tout le monde d'accord. Donc, à dire une institution comme ça, est-ce que il a vraiment joué un rôle li comme institution régalienne de protection des vies et des biens comme institution comme bras impartial, répressif de l'État. Il va pas.
Mais dans le contexte, je dis, hein, il y a des gens qui quand même salué coopération avec des unités aux États-Unis, en Colombie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que l'enquête qui a fait sous assassinat Jovenel Moïse est capable peut-être arriver à un côté. Parce qu'en général, en Haïti, c'est l'enquête se poursuit. Au fond, pour moi-même, position ça traduit un autre problème, qui est un problème de confiance envers l'État haïtien, un problème de confiance envers les institutions. Et plus grave encore, un problème de confiance entre les Haïtiens. Et ça, si ce n'est pas la police américaine, l'État bon l'autre. Parce que nous pas fait tête nous confiance, nous croyons que nous n'avons pas l'autre menti, nous croyons que nous n'avons pas fait mettre d'âme à l'autre net allé. Et c'est précisément raison ça qui fait que pas jamais garder un consensus entre nous. Puisque l'une toujours anticipé que l'autre l'a fait coquin. Et non anticipation coquin ou sûr que l'autre l'a pas fait ou même ou commencer à faire coquin. Mais en fait, souvent l'autre l'a fait coquin, vrai. Moi, je parle même de généralisation ça. Il y a des cas, soit dit, c'est vrai. Mais il y a des cas, pas du tout. Puisque nous une espèce de paranoïa, parce que ça nous l'a dit valable à tous les niveaux de la vie, hein. Il va la bande de famille, il va la bande de l'église, il va la bande de un fort péristyle, il va la bande de marché public, il va la bande de tout côté, de l'école, tout côté. Ouais. Et là, moi pas quoi que son bagaille pour continuer à faire promotion pour lui. Pour me font moun quoi que ses camarades li a, puis qu'a prêté le livre parce qu'elle a pété Gilles. Alors si on dit que ça l'a pété Gilles vrai, bon là, on va suivre dans le raisonnement ça. Ouais, t'as dit pour dire Timounan, faut le faire attention parce que Emile, c'est Timounza qui a grandi ensemble avec dans le même quartier. Si lui-même il cale l'école, l'autre là où elle pas cale l'école, faut le faire attention parce que Emile, c'est Timounza. Mm-hmm. Et puis par ouais, ça veut dire Timounza vient une victime doublement. D'une part parce que le pas accès à un bagage que normalement le tadogien doit avoir, mais en plus parce que regard que société a projeté sous lui fait de lui déjà un criminel en puissance. Est-ce que, dans une certaine mesure, ça n'a pas assisté là, il n'y a pas un boomerang, puisque pouvoir quitter là, t'es bail tête li comme Sim Dakadou en ligne, pour le voir s'il a détruit toute institution pour l'accumuler plus pouvoir. Or, voilà que nous arrivons en situation côté, nous plonger tellement en absence d'institution, y compris une police qui pas arrivé faire travail li normalement. Voilà que ou ka rentré en dan caillou président nan chamni y a assassiné là état ça. D'abord moi pas sûr de prémisse, c'est-à-dire que pouvoir suspend aller dans même direction puisque on dit encore chef d'état a mouri mais pouvoir continuer à aller dans même direction. C'est-à-dire m'pa aucun changement qui vient dans politique publique yo qui t'a vle faire moun croire que processus de désinstitutionnalisation yo li suspend et comme de raison. Ou trouvons une situation côté moun plus quoi que c'est des unités de police étrangères qui viennent aider nous résoudre le problème, non plutôt que un renforcement de capacité de propre institution panouyo pour qu'a fait travail yo, d'une part. D'autre part, à la décharge partielle de l'État haïtien, processus de institutionnalisation dans le contexte post-86, ça, c'est pas l'État haïtien seulement qui fait. L'un acte mené par ça, faut nous dire, il faut nous dire courage, pour nous dire c'est l'international qui partit avec. On postule que l'État haïtien a trop de monde qui corrompu en donne. Et sous prétexte que y a trop de monde qui corrompu en donne l'État haïtien, il y a un effort qui fait pour dédoubler l'administration publique, pour dédoubler toute institution publique que nous gagnons. Parce que c'est à travers institutions parallèles à eux, qui pral prendre nos organisations internationales, ONG, etc., qui pral dispositif opératoire international là, pour canaliser. Toute forme d'aide de bras le bail l'État haïtien. Tichèze bas. Robertson Edouard, comme le arrivé, pour nous prendre une pause, en nous prenant, nous prenons retourner effectivement pour nous développer sous question internationale. Tichèze bas sous Alter Radio, n'a pour une pause, n'a pour retourner tout à l'heure. Tichèze bas. Tichèze bas.